Black snake all in my room. Some pretty mama better get this black snake soon. Le confinement a exacerbé des problèmes qui étaient déjà là, des drames qui durent depuis bien trop longtemps. C'est vrai que notre démocratie est en danger, qu'on nous prend pour des enfants débiles, que le gouvernement a menti à de multiples reprises, qu'il n'y a rien de normal à ce qu'il décide seul et sans débat, ni au Parlement ni ailleurs, de toutes les mesures sanitaires, qu'il y a un abus d'autorité. C'est vrai que la violence sur les femmes et les enfants a empiré avec le confinement. Comme celui du manque de moyens dans les EHPAD, dans l'école et dans les hôpitaux. C'est vrai que le port du masque est épuisant, qu'il est difficile de respirer avec, qu'il ne protège pas complètement de l'infection, que ne pas pouvoir se voir et se sourire nous manque. Tout ça est vrai. Vu que je suis d'accord avec le fait que la gestion de la pandémie a été catastrophique et que le confinement et le port du masque sont extrêmement pénibles, bah, je dois bien aussi être d'accord avec le fait que Bill Gates et Jack Attali essaient de contrôler mon corps via des nanotechnologies, non ? Non. C'est se poser la question, à qui profite le crime ? À qui profite la Covid ? Le docu apporte la réponse, Big Pharma et les GAFA qui profitent de tout le commerce en ligne. Bon. Maintenant, est-ce que ces personnes à qui profite le crime sont aussi impactées par ce crime ? Est-ce que les personnes qui travaillent dans l'industrie pharmaceutique ou les chefs d'entreprise à la tête des GAFAM peuvent aussi attraper le virus ? Est-ce que leurs proches peuvent attraper le virus ? Si la réponse est oui, alors il n'y a pas de complot, ça n'a pas été fabriqué par eux, car la logique est qu'ils agissent par intérêt. Or, ils n'ont pas intérêt à ce que leurs proches ou eux-mêmes tombent malades. Second outil d'autodéfense, c'est de toujours s'assurer de qui parle, d'en être bien conscient. On a déjà vu qu'il y a le biais de la parole d'autorité. Est-ce que la personne qui s'exprime, s'exprime dans son domaine d'expertise ? Et est-ce qu'elle rend accessibles les sources sur lesquelles elle s'appuie, ou est-ce qu'elle ne s'appuie que sur son autorité ? Troisième outil d'autodéfense, c'est se questionner si le complot est bien réalisable, car il se base souvent sur une vérité qui nous est cachée. Alors, il faut se poser la question, combien de personnes devraient garder le secret pour que le complot se réalise ? Parce que si on parle de plus d'un million de personnes, de tous les membres du gouvernement, de la classe des médias, de la Big Pharma dans son ensemble, et que personne pendant des mois ne dévoile ce grand secret qui pourtant est accessible sur Internet en quelques clics, alors c'est peut-être qu'il n'y a pas de grand secret et qu'on est juste face à la triste réalité des choix économiques, sociaux, humains et d'une pandémie. C'est déjà la vague de commentaires qu'il va y avoir pour dire que je ne suis probablement pas assez éveillé, que je me voile la face, pire, que j'ai intérêt à les faire taire, que j'ai été payé ou que je fais partie du complot, mais pas du tout. Si je fais cette vidéo, c'est que j'ai envie qu'on s'attaque aux vrais problèmes de notre société. Et que pour agir ensemble, il faut qu'on partage le même constat. Mais il y a un problème. Pour moi, c'est ce sentiment de culpabilité qui explique le mieux la diffusion de ce documentaire. On l'a vu dans vos messages. Diffusez le docu, faites-le pour nos gosses, pensez à leur avenir et à ce que nous laissons faire ou non. Il y a un vrai sentiment d'urgence, de péril, et je comprends parfaitement pourquoi. Si moi aussi j'avais le sentiment d'avoir reçu une information capitale sur un grand complot qui allait nous mettre tous en esclavage et réduire l'avenir de nos gosses à néant. Mais si je diffuse pas le message, qu'est-ce que je vaux ? Je suis moins qu'un lâche, je suis un collabo. Un autre ressort explique bien la diffusion du film, c'est que si j'ai conscience du péril grâce à ce docu, mais que rien dedans ne m'est proposé pour agir dessus, bah à minima, il faut que je le diffuse. Et c'est ça qui me tue le plus avec ce documentaire. Ce qui me met vraiment en colère, c'est que ce documentaire, il parle de problèmes réels, ceux qu'on a listés dans la première partie de la vidéo, mais il propose même pas de lutter contre, de rétablir la justice. Quand est-ce que les gens vont ouvrir les yeux et réagir ? Mais réagir comment ? Faire quoi ? Parce que là, le documentaire nous laisse juste comme ça, paralysés sur le cul. Alors que bordel, il y a plein de gens qui sont déjà en train de lutter et qui auraient besoin qu'on les rejoigne. Si je suis indigné que Jeff Bezos ait doublé sa fortune en 6 mois, et qu'en plus il serait de ceux qui veulent me transhumaniser la gueule, mais qu'on me propose de boycotter Amazon à minima, de bloquer Amazon comme le font Attaque et les Amis de la Terre, ou même d'empêcher Amazon de construire des hangars comme le font une vingtaine de collectifs en France. Le prix à payer pour raconter cette fable d'un virus fabriqué en laboratoire, c'est invisibiliser totalement que le Covid-19 est dû à la déforestation intensive qui a supprimé les barrières biologiques entre la faune sauvage et les êtres humains. Ce constat devrait nous pousser à lutter contre cette déforestation et à protéger le vivant, mais non, tout ça passe à la trappe. Les théories du complot m'insupportent particulièrement parce qu'elles encouragent les gens à ne plus voir le monde comme une bataille politique des idées, mais comme quelque chose de déterminé, joué d'avance. Nous, pauvres gens,
on ne serait que les dindons d'une farce décidée par Bill Gates ou Jacques Attali. La conséquence est dramatique. On laisse faire, on est passif devant le jeu politique, on attend une fin hypothétique, où de toute façon, on serait les grands perdants, qu'on agisse ou non. C'est tout le contraire de ce que je défends. Je suis inquiet de la direction que prend notre société, de ses fragilités. Je suis en colère contre les injustices qui la caractérisent, et je lutte pour que ça change.